Et salut tout le monde, ici Younes qui vous parle dans la nuit noire. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, je vous présente encore un concept exceptionnel, hors du commun. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Ou alors vous avez lu le titre et du coup vous ne demandez pas ce que c'est, vous savez ce que c'est. Je joue Morgana et à chaque Q-spell qui touche un champion ennemi, je dois boire un shot. J'en ai juste ici, j'ai une petite vingtaine. Donc je suis peut-être un peu optimiste sur le fait que je vais toucher 20 Q-spells pendant une partie. Et il faut savoir que moi je ne bois jamais, like never. Ceux qui me connaissent, ils disent waouh, Younes qui boit, c'est une première. Et bah non, déjà c'est pas une première, c'était une terminale et elle avait 18 ans, ok? Elle avait redoublé deux fois. C'est au cas où le monsieur le juge regarde cette vidéo. Elle était majeure. Bon, maintenant que c'est réglé, je vais jouer Morgana, que je joue aussi pas très souvent, voire jamais. Allez, le premier Q-spell, là, attention. Ça touche, hein. Bon, ça touche un sbire. En fait, ça veut dire que plus j'en touche, moins je vais en toucher. Et tiens. Ok, bon, ça, celui-là n'a pas touché. Honnêtement, ce Q-spell-là avait du potentiel. Là, c'est plus aucun Q-spell qui a raté. Ou au moins le prochain. Ok, il est foutu. Il était vraiment pas loin d'être foutu, hein. Voilà. Et hop là. On les détruit, on les détruit. Allez. Ah, il est à moi ce sbire. Hein. Ça touche? Ça touche pas. Sombre dessin. Sombre dessin, ça touche. Terre maudite, ça touche. Bouclier noir, ça touche. Flash. Flash, ça touche pas. Putain. Les années collège, hein. Ok, je lui ai pris ce sbire. Mais j'en avais besoin. Ok, pas mal, pas mal. Vas-y, vas-y. Il est à toi. Ok, j'avais pas besoin de flash. Vous avez vu, encore un kill sans un seul Q-spell. Sans un seul Q-spell, sauf celui-là. Non, aucun Q-spell. À moi. Ok. Bah, il suffisait de le vouloir très fort. Merde. Oh. Mais. Pas mort, je suis Dieu. Regardez ça, j'ai aucune chance de mourir. Bon, il m'a tué, mais putain, mais je suis mort. Ok, là j'avoue, je l'ai lancé dans le vide. Je pense honnêtement que je suis contre 5 scripteurs coréens, et déjà des coréens tout seuls, c'est fort, mais alors quand ils scriptent. C'est chiant. C'est chiant. C'est 100% impossible. Il est en 1-15, belle cause. C'est un smurf de Sardoche, ça. Vous avez compris. Parce que Sardoche, il meurt tout le temps. Ok, là j'ai abusé. Ok, là c'est carrément abusé. Non, mais c'est impossible qu'en 33 minutes, tu n'en aies pas un seul. Non, elle va pas finir. Oh, elle va finir. Mais c'est. C'est insanely insane. Est-ce que vous arrivez à croire qu'en toute une game, j'ai pas touché un seul Q-spell? Non? Vous avez raison. Je vais être tout à fait honnête avec vous, les gars. Il n'y a aucun shot sur ma table, hein, je vais vous montrer. Rien du tout. Toute cette vidéo n'est qu'une immense mascarade. Je fais exprès de rater mes Q-spells. Enfin, j'essaie de faire exprès de rater mes Q-spells, mais je joue contre des gens tellement mauvais, tellement pourravesques, que même en faisant exprès de pas les toucher, eh ben, ils sautent dans mes Q-spells. Hop. Non mais putain. Mais comment il a fait pour se le prendre celui-là? Je l'ai lancé sur un sbire. Et à moi. Mais comment? Non mais il fait exprès. Mais je suis mime. Sérieux, il était évident ce Q-spell. Et lui il est aveugle aussi, ça compte pas. Mais même à l'aveugle, c'est incroyable la malchance que j'ai. Le seul moment où j'ai besoin de pas les toucher, je les touche. C'est un peu comme des enfants de maternelle quoi, les skill shots. J'ai pas envie de les toucher, mais je les touche quand même. Une fois de plus, si monsieur le juge regarde cette vidéo, je fais pas exprès. Hein. Mais non, mais j'ai. Y'a aucune chance qu'ils viennent.
Okay.